êtes-vous là-bas? Vous pouvez peut-être nous aider avec ces machines. Qu'est-ce que je peux faire? Ces envahisseurs ont trouvé un nouveau jouet pour nous menacer. Des petits hélicoptères automatisés. Ils appellent ça des drones. Ces engins ne ripostent pas, mais ils semblent être équipés de caméras. S'ils cartographient la vallée, on va perdre l'avantage. J'ai réussi à en abattre quelques-uns, mais avec ces armes, j'imagine que vous irez plus vite. Vous voulez bien aider? Je crois que je peux en abattre quelques-uns. Le maximum sera le mieux. Revenez me voir quand vous les aurez neutralisés. Comptez abattre davantage de ces machines? J'y travaille. Mais ce sera fait. Ce que je redoutais est arrivé. Nous ne pouvons plus le nier. L'hélicoptère que nous avons vu hier au coucher du soleil représente une nouvelle incursion dans nos terres. Nous avons grandi dans l'ombre de la lutte de nos parents. Et maintenant, il semble que nous allons vivre la nôtre. Mais le devoir sacré doit être rempli. Nous devons protéger la source de la grâce de Dieu sur Terre.
Je crois que j'ai eu le dernier. Effectivement. Ils ne baisseront sûrement pas les bras, mais au moins on saura comment les accueillir. Merci beaucoup pour votre aide. Vous avez déjà visité la tour inférieure ? Pas encore. J'y travaille. Salutations. Qu'est-ce qui se passe ? Sur quoi vous tirez ? Vous avez déjà visité la tour inférieure ? Pas encore. J'y travaille. Comment se passe la découpe ? C'est lent. Je dois être minutieuse. La rouille a fait des dégâts. On aurait dû garder ce métal. Aujourd'hui, j'ai commis une erreur qui pourrait en entraîner d'autres. J'ai passé du temps seul avec Alia. J'avais réussi à éviter cela jusqu'à présent. Elle me rappelle ma très chère Sophia, que je croyais avoir oubliée depuis longtemps. Mais la blessure s'est rouverte. Elle m'empêche de penser clairement, même quand elle n'est pas présente. Je me fais l'impression d'un enfant écervelé, et cette époque est loin derrière moi. Je dois enfouir ces vieux sentiments et m'éloigner de mon peuple quelque temps. Pendant la saison des pluies. Grâce à ces plaques, on a pu empêcher l'eau de traverser le toit l'année dernière au moment des grandes pluies. Fais ce que tu peux. Vous êtes l'hôte de Jacob. Si ça vous dit, ceux qui réparent les tours de garde au bas du sentier ont besoin d'aide. Sans vouloir vous vexer, hein. C'est juste que vous n'avez pas le profil pour vous servir d'une enclume.
Bonjour. Jeunes gens, vous avez rechigné à apprendre vos lettres, proclamant qu'elles ne servaient à rien pour chasser. Eh bien, voici votre première leçon. Tout est lié et j'ai toujours raison. Pour ceux d'entre vous qui ont été assez fous pour persévérer et qui peuvent lire ceci, voici votre premier devoir. Traquer, chasser et me ramener la fourrure d'un des petits animaux de la vallée. Vous trouverez des lièvres partout, de nuit comme de jour. Les petits brins dans notre vallée et les lièvres des neiges sur les hauteurs. Les écureuils restent dans les arbres et se réfugient dans leur terrier quand il pleut. Si vous préférez traquer des rats, regardez dans les ruines ou tout autre endroit où la mort rôde encore. Mais si vous pouvez, évitez de me ramener un rat. Thank you.
Lara, je peux vous parler? Par ici. Il y a beaucoup à faire, et on n'est pas assez. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Il nous faut de la nourriture et un abri pour ceux qui ne peuvent pas combattre. On va préparer des rations de secours avec du sanglier séché et des champignons. C'est meilleur que ça en a l'air, mais je pense pas pouvoir en rassembler assez. Si vous pouviez pister et tuer un sanglier et nous ramener le reste des ingrédients, on pourrait nourrir tout le monde, au moins une journée de plus. Oui, bien sûr. Vous me trouverez ici. Et merci. Comment se passe la chasse? Ça fera l'affaire? Oui. Oui, je vais mettre la viande à sécher, mais ça devrait suffire. Pour l'instant. Merci encore, Lara. Contente d'avoir aidé.